Opération séduction des producteurs de lait finistérien. Depuis 15 jours, ils vont à la rencontre d'élèves du primaire. Ici, nous sommes à Brest, à l'école Saint-Joseph du Pilier Rouge. De la production à la transformation du lait, tout est abordé de manière ludique. De savoir pourquoi les agriculteurs sont sur leurs exploitations, qui sont sur les routes aussi parfois avec leurs tracteurs, et pourquoi est-ce qu'on promène nos vaches des fois, pourquoi... L'intérêt de tout ça, c'est aussi de nourrir les gens. C'est notre but premier. Et les enfants, qu'ils le sachent très tôt, ça va faciliter les choses pour qu'ils acceptent un certain nombre de choses liées à l'agriculture. Le contraste est fort. Pour ces enfants de la ville, cette rencontre est une grande première. On nous a expliqué comment on traitait les vaches pour avoir le lait, comment on faisait les yaourts, les fromages. Je savais que c'était des vaches, mais je ne savais pas que ça venait aussi des chèvres ou des brebis. Puis il y a plein de machines à l'intérieur, que c'est du travail et que faut respecter. Faut pas dire oh, c'est des vaches, ça pue, c'est nul. Après les explications, place à la dégustation. 900 élèves finistériens auront participé à la fête du lait.